Eh ben ça y est, les rues de Paris sont limitées à 30 km/h. Au moins maintenant, quand on parle de ville lumière, c'est que c'est pas à cause de la vitesse. Hein. Des Parisiens trouvent que c'est une mesure qui est profondément injuste et handicapante vis-à-vis de tous les gens qui habitent en banlieue. Mais la vraie surprise du sondage, c'est qu'en fait, c'est la première fois que des Parisiens s'intéressent à des gens qui habitent pas Paris. Au moins, rouler lentement à Paris, c'est pas trop dérangeant, hein, parce que il y a des trucs jolis à regarder. J'espère qu'Hidalgo, elle sera jamais maire de Saint-Etienne. Les accidents, ils seront peut-être moins mortels, mais à mon avis, ils sont plus nombreux. Parce qu'à 30 km/h, on se fait chier, du coup, on regarde un peu plus son téléphone. Puis, avec Paris à 30 km/h, ça va devenir beaucoup trop simple de conduire. Hein. Pareil qu'on va venir se faire emmerder par tous ces provinciaux qui vont venir passer leur permis ici. C'est une mesure qui tombe vraiment mal. Je venais de m'acheter un nouveau joujou. Elle fait du 0 à 30 en 20 centièmes de seconde. En même temps, plus je roule lentement, plus on voit ma bagnole. Gros ! Kéké, là ! T'as vu à combien tu roules ? Soit un mec qui roule vite à vélo comme ça, c'est qu'il y a un truc à compenser. Hein. Vous savez à combien vous rouliez ? 33 ? 36. Je peux voir vos yeux ? Vous avez consommé du CBD ? La municipalité encourage le partage de véhicules. J'adore le covoiturage. C'est dommage, j'ai qu'une place. Quand je vais pas au golf. La question de la vitesse, certains l'ont intégrée depuis déjà pas mal de temps. Par exemple, du côté de Stalingrad, il y a des piétons qui sont déjà très au ralenti. Pour la moto aussi, hein, ça change pas mal les choses. Disons qu'avant, je savais que je faisais chier les gens. C'est juste que maintenant, j'entends quand ils me le disent. Hé, hey, connard ! Connard ! Connard ! Comme je passe beaucoup de temps dans ma bagnole, j'écoute plus la radio. C'est intéressant, hein. L'autre jour, il parlait du dernier rapport du GIEC. Apparemment, sur toutes les mesures où il faut ralentir, il va falloir accélérer. Route. Route, route.